j'avais ramené un soldat. Tu vois, tes coups au corps à corps à côté, c'est rien du tout. Ah non, mais déjà, je me rends compte que mes coups au corps à corps actuellement, c'est rien du tout, hein, tu sais. Hein, donc, Oui, bah. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. On va lui faire ravaler sa salive. Non, en vrai, tu fais des dégâts, ça va. Non, non. Je te le dis, non, non. Ah ouais. Il a trompé de son build, c'était de la merde. Bon bah je m'attendais pas à ça, mais soit. Non, mon build normalement il est bon, hein, mais je pense que c'est juste que je sais pas. C'est très bon, mais t'as dû oublier quelque chose. Ah non. La petite touche finale, la cerise sur le gâteau. Mais déjà, est-ce que tu joues avec un bouclier toujours vide? Non. Oui, avec le Roid. Bah, la plupart du temps il est vide, mais le problème c'est que quand je meurs, il est restauré. Et comme je meurs 90% du temps, bah à chaque fois que je me refuse à refuser, j'ai du bouclier. Et tu veux te calmer avec la mitraillette, toi? En fait, j'attends que ça s'ouvre, mais en fait c'est pas par là. Ah. Je sais même pas sur quoi je tire. Ah ça y est, les... C'est déjà ça. T'inquiète pas, j'ai jamais eu de problème avec ça. Bon bah, je tiens à dire, notre véhicule a été bleu. Ah non. C'est nul. Oh non. J'étais en train de faire péter le véhicule là-bas. Tu faisais péter un véhicule, hein. Mon hypothèse était la bonne. Tu me déçois. Hector se sert de votre clé de base pour produire. Et c'est moi qui ai découvert le skin, alors j'ai le droit de faire péter autant de licornes que je veux. Je fais ce que tu veux de tes penchants, sans tes parents, juste. Tous les habitants de la planète. Si, si. Ah si, je t'assure que je le juge, moi. Tu te juges, mais moi je juge. Eh, franchement, si les licornes ça existait dans la réalité, je me mangerais bien un petit pavé. Heureusement, il y a Findus. Findus, Findus. Bah, le cheval c'est ma jambe préférée, donc bon. Et voilà. Et d'un seul coup, le mec est officialisé comme étant le plus gros connard de l'univers. C'est bon, il y en a un par terre qui est en train de se faire grand temps. Non mais je fais pas de dégâts, je tire, je fais pas de dégâts, je slague les mecs, je fais pas de dégâts. Bah t'as pas fait tout ce qu'il fallait dans le jeu, de toute façon. Mais tu sais que à chaque fois que je tape, je tape plus de dégâts, à chaque fois que je fais une zone de poison, je tape plus de poison dans le choc. Je suis tout le temps en train de faire tous les dégâts sauf slag, c'est que... Oh bah regarde, il y a encore de... Moi slag c'est le corps à corps. Voilà, j'ai rechopé quelque chose d'arc-en-ciel. C'est vrai? Ouais. C'est quoi ce coup-ci? Bah attends, je vais regarder. Et attention! Véhicule bricolé voilà, de bandits, spectacle technique. Hop, voilà. Ah, t'as encore un véhicule là. Putain. Je m'attendais trop à. Oh non! Oh non! Oui! Oh non! Oui! Ouais, est-ce qu'il faut que je le move? Est-ce qu'il faut que je le move ou pas? Non, il s'est brûlé toujours là. Non, je suis toujours là, je sais quoi. Et voici la sirène qui ne sait pas jouer. Voilà, la pire sirène. Non, t'es pas la pire. Dis-toi qu'il y en a qui jouent avez... à la grenade quand ils sont à deux doigts de perdre. Vous avez oublié un coffre. Ah, j'étais pas à deux doigts de perdre. Vous avez oublié un coffre. Allez, oui, vous faire foutre. Qui m'attaquait derrière moi. C'est toi qui étais pas avec nous là dans le combat. C'est pas bon. Que des excuses, bidon. Ah bah non, c'est pas par contre, j'ai la barre qui monte au max. Qu'est-ce que tu veux avec ta barre, hein? Oh, un lycanthrope brutal. Bonjour. Un lycanthrope, un bon trope là, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, mais il est crevé moi. Oh le sniper! Qui c'est qui l'a pris? Bah. Moi, je suis bien devant moi perso alors. Je sens que c'est Marcus, tu vois. Tu me vois jouer avec un sniper violet? Un défi de plus au compteur. Tu m'as vu jouer avec un sniper depuis le début? Ouais, c'est ça, voilà, toi tu joues sniper depuis le début. Comment on est censé arriver? J'ai du mal à comprendre là. Oh, je me suis gouré de chemin, je pense. Ah bah oui, par là. Ah mais une barrière électrique. Un truc à péter. Ah, il y a quelqu'un qui veut des gorges profondes. Ah bah j'étais vraiment... Je suis même pas là, j'étais dans le menu et il y a un mec qui est venu. Oh, ça va faire mal. Oh, attention. Oh. Ah non, moi je m'attendais à ce qu'il lui écrase la tête. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà. Je m'attendais à beaucoup plus de sang. Brick, on est déçu là. Par contre, comment t'es censé aller là-haut? Parce que là, t'as pas de par là. Bah oui, c'est par là, le problème c'est comment tu passes. Mais il y a un petit truc. Les gens, il y a un petit passage à côté. Oui. Là, juste ici, on va sortir du tuyau là. Il y a une grosse caisse. Vous avez... Regardez autour de vous si vous avez pas un... Ah, attendez. Ah oui. Oui, il faut regarder les disjoncteurs parce qu'il y a une grosse caisse. Attendez. Il y a pas un fil
Si, mais il mène à côté là-bas là. Yo, Mastoc, paraît que Mordecai était en danger, t'as cogné des faces pour l'aider. Bah oui, et le fil, vas-y saute qu'on rigole. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi. Mais non, j'ai trop reculé. Mais j'en ai marre. Compte sur moi. Je viens à peine d'arriver. Non mais pour aller couper le fil, faut encore avancer, c'est par là. Serre-toi. Là je vais le couper, attends. Sinon on aurait pu faire un grenade jump, ça va plus vite. Autre que la violence, comme le jardinage. Non, tu l'as pas coupé. Le fil est toujours là. Est-ce que tu vois ce chacal? Tu vois ce chacal qui s'est mis au bord pour être sûr d'être le premier sur la caisse. Et pendant que toi tu l'ouvres, moi je me sers. Bah non mais franchement je vous le laisse. Oh quoique, attends, je vais comparer les snipers. Et mais putain, le sniper slag là, il est encore mieux que le sniper que j'ai. Du coup, je vais slaguer et faire encore plus de dégâts. Mais bah, fais gaffe parce que j'ai l'impression que ça fait rien de slaguer, moi. Je slag des gens, je slag et il se passe que dalle, quoi. Dixit, le mec qui a fait un mauvais arbre au corps à corps. Non, non, il est bon, mon arbre. Non, mais attends, je suis sûr, il y a une couille dans ton arbre, c'est pas possible. Au cac, t'es censé tout démonter. Bah, regarde sur le stream, regarde. Attends. Le stream. Il est très très bon le cac. Alors. Jusque là il est parfait. Attends, j'ai le truc qui s'ouvre. Ah voilà. Ouais. Mais t'as oublié un. Non, j'ai rien oublié. L'avant-dernier truc en bas. Ça, c'est pas épique et ça augmente juste la vitesse de déplacement. C'est pas... Enfin, et un petit peu de dégâts au corps à corps, mais... C'est pas ce qu'il y a de plus pété. À la limite, je pense plutôt prendre ça, les dégâts de riposte, que je vais mettre mon premier point, mais... En dehors de ça, je prends très cher. Riposte, c'est très important parce que, en fait, quand tu combines riposte en mode holographique et tout, c'est là où tu peux frapper vraiment très très fort. Ah oui, bah je viens de l'avoir. C'est bizarre. Suivant brique. Ça met si peu de dégâts quand même. Par contre, je viens d'entendre ma voix sur le live. Si vous m'entendez comme ça dans le micro, c'est que mon micro est vraiment pourri. Non, ça va en vrai, il est plutôt de bonne qualité. Ça, franchement, on a connu pire. Non, mais c'est surtout que ça me fait une voix de gamin de 14 ans. Mais c'est pas faux, on s'en fout de ton âge, tu sais, après. Hein. Non, mais le truc, c'est que je me sens frustré parce que je suis pas un gamin de 14 ans. T'en as 15, mais on t'en veut pas. Oui, c'est ça, voilà. Bonjour, je m'appelle Titouan, j'ai 15 ans. D'ailleurs, vous m'excusez, mais quand on passe la vingtaine d'années, on peut plus s'appeler Titouan, genre faut changer de prénom. Ah, par contre, vous avez laissé un coffre sur le chemin. Du coup, je vais l'ouvrir pour vous dire ce qu'il y a dedans. Vous dire que vous avez bien fait de partir parce qu'il y a que de la merde. Tiens, il y a un petit mode de classe de sirène pour augmenter les chances de feu et les dégâts feu. Du coup, il n'y a plus de régène d'équipe, désolé. Vous avez plus de PV régène. Ça me servait à rien déjà de base, alors. Ouais, j'avoue, toi, tu faisais que crever. Ah non, moi, je suis jamais mort. Moi, je suis jamais mort par rapport à vous. Hein. Par contre, je veux bien un coup de main. Mais apparemment, je peux. Mais ça arrive. Je suis en train de courir, mais t'es mort avant quoi. Ah non, t'es bon. Ah oui, je suis là. Forcément, je suis là, il revient. Mais. J'ai jamais eu le temps de balancer de grenade de ma vie, je crois. Je les ai toutes claquées, j'en ai plus une seule. Mais je me dis, heureusement que t'as pas recommencé un perso avec nous, heureusement que t'avais tes grenades, parce que sinon tu servirais à quoi. Mais ça gueule. Aïe. Non, parce que il va tellement mal le prendre. Mis à part tes grenades, t'as fait quoi depuis tout à l'heure? Et je vais lui faire bouffer mon canon, il va pas s'y attendre. Ouais, je pensais que t'allais dire je vais bouffer tes bébés. Alors, si t'es homo, pas moi, donc tu me fais pas bouffer ton canon, je ne suis pas d'accord. Et donc, tu joues à Borderlands sans bouffer des canons? Mais quel genre de joueur de Borderlands es-tu, franchement?
Ah non, je bouffe pas les canons des autres joueurs, moi. Alors là, je comprends pas. Ouais, je sais pas, je sens qu'il y a comme un secret là-dessus, mais... Et je glisse, donc non. Ta phrase était horrible. Oui, oui, oui. Je sens qu'il y a comme un secret là-dessus, et je glisse. Et je glisse. Ah. Nettoie la zone. On en parlait justement. Genre la débroussaille. Wouhou! Et on fait tout péter. Bon, c'est propre. Attends, mais j'ai une question, Marcus. Comment tu fais pour crever sachant qu'il y a gavé de trucs de vie qui pop de partout? Ah, mais excellente question, hein. Et pendant ce temps-là, Brick était planqué derrière la lune. Ça me fait pas peur, mais ma lusure, j'y crois encore et encore. Là, de la santé. Aïe aïe aïe. Des sacrés. C'est pas à ce moment-là qu'il parle de sa fissure anale ou. Ouh, j'en connais un, je l'ai vu passer bien le bord là. Ah mais du coup, cette Kaboom, il a pas vu les les Saint-Délis. Si, si, je l'ai vu, j'étais sur le live. Ah. T'en fais pas, il nous a pas totalement lâché. Donc t'as vu comment ce il était en train de rager fusil à pompe Teddy Or. Ouais, ouais, j'étais là, ouais. Bon, heureusement, je t'ai redonné à Marcus, sinon je crois qu'il nous aurait fait une crise existentielle. Hein? Je m'en badigeonnais les couilles avec le pinceau de la différence, mais à part ça, ça va. Hein. C'est vrai. Que toi, en fait, hein, qui est fanatique de ce film, vraiment. Non, mais tu sais, le mec, il balance qu'il est pas gay, mais il adore les licornes, quoi, donc ouais. Oula, ça c'est un cliché, ça fait gaffe, hein, les gilets. Qu'en pense? Ah, des malabars infectés. ABCDEFGJ. Jack Sparrow. Voilà. Oh non, les références. Non, non. T'es un fantôme dans la brume. Toujours. Référence à? Mais dans Pandora. Non, non. Oui, non, mais la référence à Pirates des Caraïbes. Non. Ah, donc, il y a encore un truc arc-en-ciel. Allez. Jack Sparrow, c'est. Il est où le truc arc-en-ciel que je vois ce que c'est? C'est encore un screen. C'était les noobs. Il est où? Vas-y, fais-le tomber! Apparence courseur. Oh, comment elle s'appelle? Courseur d'arc-en-ciel, apparence débloquée. Bah, y'a pas de nom. Bah, viens, fais-le tomber. Fais-le tomber, histoire que je puisse le rabouler. Non, non, que je regarde! Non, c'est celui de tout à l'heure, c'est le même. Ouais, mais fais-le tomber! Tu vois, parce que je sens dans le fond de ta voix qu'il y a un truc qui va pas. Donc, fais-le tomber! Bon, ouais, je sens qu'il va me le tirer. Non, par contre, c'est vraiment le même que tout à l'heure, regarde. Non, mais sérieux, cette cat abuse. Bah, oui, voilà. Mais ce coup-ci, c'est moi qui le débloque. Bah, oui, non, mais tu le prends, je vais pas te le piquer si je l'ai déjà. Bah, en fait, tu voulais vérifier que j'étais pas en train de t'arnaquer. Bah, y avait un vieux ton bizarre dans le fond de ta voix, je sais pas, j'ai trouvé ça chelou. Et tout le monde avait l'air d'être d'accord avec moi, donc je me suis dit, bon bah, on teste. Sinon, je t'aurais même pas dit qu'il y avait un truc arc-en-ciel. Quel enculé. On va pas sauter dans le trou. Et d'un seul coup, tous les moments de silence qu'il y a eu depuis qu'il est là, je me pose des questions maintenant. Regarde, dès le premier arc-en-ciel, je te l'ai dit, je te l'ai filé. Ouais, hein, d'ailleurs, qu'est-ce que t'as été con de le faire? Non, tu aurais pu gérer le drop. Non, je m'en fiche parce que bon, même si je drop une arme, elle sera niveau 30. Qu'est-ce que je referai sur mon OP10? Ah, les armes OP10, ça revient au level 90, s'il te plaît. Après, tu fais tellement de dégâts que. Bah. Je suis le seul à pas comprendre quand il parle d'OP et tout ça. Ouais, ou non, t'inquiète, j'étais pas. Non, je comprends pas non plus. Bien joué! Oh, c'était tellement beau! C'était tellement beau à voir! Oh oui! Oui! Ah, oh, je suis tombé, mais c'est pas grave! J'ai adoré ça! Oh putain, je suis sorti quand même au bon moment! Oh non, de Dieu, je suis tombé dans mon extase, dans mon moment d'orgasme! Mais c'était magnifique! Il se prend pas pour de la merde! Non, mais franchement, on se concentre!
Le canon de tir. Toi aussi t'attends là que le truc est juste. Non. Mais non, il y est là. Ah non, il y est pas. Mais si, il y est. Si. Si, il y est. Genre, il est. Non, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Fallait le bloquer là. Non. Mais non. Quel fils de pute. Et on avait dit pas les moments. Bah les couilles. Attends, je regarde où est le trou. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ta mère aussi. C'est bon. Le respect est mort. J'ai envie de sauter dessus et de le faire remonter. T'es vraiment un bâtard toi. On me laisse pas, me bloque pas toi. Marcus il a tenté de me bloquer pendant que j'étais en dessous. Salut toi, ça va? Non, Marcus c'est long. Putain. Non, mais... Je suis pas dessus, c'est pas moi. C'est long. Soul, t'abuses. Mais non, je suis en haut, je vous attends. T'as appelé l'ascenseur, enfoiré. Non. Oui. Non, totalement honnête. Vous allez tirer avec le. Ouais, je redescends pour l'appel. C'est là que je suis inquiet parce que je me rends compte que j'ai pas du tout modifié, relancé l'enregistrement depuis tout à l'heure. Non, je veux pas être bloqué. Attendez avant de partir, hein, s'il vous plaît. Oui, on t'attend. Allez, bien sûr, on t'attend. Non. Ah non, c'est bon, je crois qu'il y avait pas tout le monde. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ça aurait été très drôle. Mais il faut pas abuser. C'est pas aussi simple que ça. Allez, s'il te plaît! Je vais tirer avec le gros canon! Alors, attendez avant d'avancer deux secondes. C'est mon rêve le plus fou. J'attends qu'elle finisse de parler pour pouvoir relancer le record. D'accord. Toi, t'as vraiment un problème. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà relancé au moment où t'as balancé. Toi, t'as vraiment un problème. Ah merde. De toute façon, je m'en fous, ce sera pas gardé au montage. Non. Je t'évince le mieux que je peux au montage, de toute façon. J'ai renvoyé l'ascenseur en bas si on doit faire demi-tour après. Comme ça, on va devoir leur faire remonter. Mais t'es bête, t'as juste à sauter. Je pensais qu'il allait se faire avoir. Oh, porteur gun piraté. Ouh. C'est dommage, on est fait un paquet comme ça. De toute façon, ça change quoi. Ils ont remis le même mob, ils ont juste changé de nom, mais ça y est, on a des nouveaux mobs, les gars. Oui, bah apparemment, ça va pas être le cas dans le troisième opus. Je sais pas si t'as vu le nombre de types d'ennemis différents. Ah bah attends, t'as vu le prix du jeu, heureusement qu'ils font des trucs un peu travaillés quand même. Ouais, mais bon. Ça m'a fait faire le coup, moi, quand j'ai dû l'acheter. Après, t'achètes pas un Borderlands par an, t'en achètes pas une fois tous les 7 ans. Ouais, puis après, tu dis ça te fait mal au cul de l'acheter, mais enfin bon, t'as qu'à pas vendre ton corps pour l'acheter non plus, hein. Déjà, qui t'a dit ça, toi? Bah, je sais pas, tu dis que ça fait mal au cul de l'acheter. Faut vraiment que je vous l'explique ou. Non, ok. On a tous compris. Ah, bah non, il y en a un, donc il y en a un qui l'a pas compris, quoi. Oh, du. Ouais, du coup, pour t'expliquer le truc de tout à l'heure, en gros, t'as 80 niveaux max, et une fois que t'es arrivé au niveau 80, tu peux aller passer des quêtes qui te permettent de monter les 10 OP. Et donc, en gros, à l'OP 10, c'est là où le jeu est le plus dur. Là-dessus, j'avais pas compris sur le coup. Eh oui. Non, mais c'est juste que ça vient de me revenir en tête. Et du coup, à l'OP 10, c'est plutôt intéressant parce que les armes que tu loot sont OP 10, donc à l'équivalent du niveau 90. Et c'est la difficulté la plus hard parce que, genre, les ennemis que tu peux affronter sont jusqu'au niveau 93 pour les invincibles. Là, apparemment, il y aura pas d'OP, par contre, il y aura le mode KO. Je sais pas si t'as vu. J'ai pas regardé ça, je sais qu'il y aura le. Magnifique. Le normal et chasseur ultime. Et après, en fait, t'auras le mode KO qui, en fait, te permettra de. Comment te dire? T'auras, tu sais, des modificateurs à la Destiny, tu sais? Ah d'accord, je sais pas. Par contre, vous savez que ce claptrap enfermé dans la cage, c'est une référence à Pre-Sequel. Ouais, mais je le veux en fait, ce claptrap. Et donc. Il y a quoi là-dedans? Et donc, t'auras 3 niveaux de KO, en tout cas au début. Je finis l'histoire, après je te laisse parler. Ouais, vas-y. 3 niveaux de KO, avec un nombre de multiplicateurs en hausse à chaque fois que tu remonteras de niveau de KO. Évidemment, toujours. Forcément. Et c'est là que tu tomberas le plus d'armes de catégorie élue.
qui doivent être un peu, j'imagine, un équivalent à la qualité arc-en-ciel qu'on voit ici. Ouais, sûrement. Et sinon, pourquoi t'as chopé la Shrey Feeder tout à l'heure si c'est pour pas te servir? Ah mais je m'en sers quand on entend. T'entends pas. c'est moi ou elle était... Attends, elle est adolescente là? Elle est bien plus grande, elle est bien plus grande que dans le reste du jeu hein. Ouais, c'est très ah ouais, ouais. Mais tier up. Allô tout le monde. Elle a grandi, oui. Eh oui. Ils l'ont allongé. Ouais, ils ont fait un risqué un risquel de son. Attends, c'est si vous zoomez, vous pouvez voir un bout de téton qui a grossi aussi. Quoi? Non, y'a que dalle. Ah putain, y'a un truc rond. T'as regardé en plus, t'as regardé. Ah non, mais ça m'étonnait que ça aille jusque là, quoi. Gros gamin. Enfin bon, gros gamin, c'est le mec, c'est... Regardez, regarde, oh t'as regardé. Oh t'as regardé. J'aime les licornes. Oula. À partir de là, je suis un gros gamin. Il a une attirance pour les chevaux et du coup, c'est un gamin. Et je m'appelle okay. Titouan, j'ai 15 ans, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les détails. Oula, il y a un laser bizarre qui m'a tiré dessus. Non, franchement, ça doit être horrible de s'appeler Titouan. Bon, tu t'appelles Titouan, on a compris, hein. Non mais tu t'imagines, genre t'as fait la seconde guerre mondiale, tu racontes à tes petits enfants et tu balances je m'appelle Titouan, c'est horrible, tu perds toute crédibilité. Je sais pas ce que t'as avec le Titouan mais... Je trouve que c'est un prénom qui est... Il rappelle la vie. Ouais mais on a bien compris que t'aimes pas ton prénom hein mais... C'est ça. Putain, je tire trois croquettes sur un robot, quoi. J'ai envie de te dire le karma. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit pour mériter d'être... Le karma, il a pas besoin que tu dises qu'il se prépare à tes futures actions. Oula. Sésame. Ah putain, vous avez pas pris l'aileron stabilisateur. Bah on est un peu retardé donc c'est sûr. Retardé. J'ai monté un petit peu de... T'es sûr que t'es pas plutôt attardé? Eh le... Eh, tu vois, karma. Non mais... J'étais déjà mort quand je l'ai dit. J'ai envie de te dire karma quand même. J'ai envie de te dire ta gueule quand même. J'ai envie de te dire encore karma. Il est magique ce karma. Moi tout ce que je dis c'est que depuis que j'ai augmenté un petit peu de cac, je fais autant de dégâts que notre assassin cac. Ah t'as vu, non, c'est tragique. Le respect non, est mort. En vrai il fait plus mal que ça. Sinon en vrai je pense pas que ce soit par là mais ouais. Plutôt par là en fait. Changez de trou les gars. C'est la backdoor. Hein. Ça passe mieux de ce côté là. Je pensais à des dragons, ça a donné oui. Ça. Charge les explosifs. Ouf. Elle a littéralement trouvé un dragon dessus, quoi. Attends, je vais monter au bout du dragon, On veut monter sur le missile. Je crois qu'on est tous dessus, hein. On est tous dessus, hein, donc... Tu sais, c'est comme dans Pre-Sequel quand tu montes sur le missile pour détruire la tête de l'autre, là. Ah, ok. L'amour. Ok, bon. Et on va tous crever contre la porte. Et bah non, on va pas partir. Ah bah non, parce qu'en fait, on a encore un truc à faire. Oh, c'est pas drôle. C'est que je m'inquiète pour Mordecai et je veux l'aider. Ah ouais, tu plombes l'ambiance, on raconte pas. Faut aller chercher ce cœur à l'anneau. Depuis quand elle est sérieuse, Tina? Peux te parler franchement? The fuck? Je me dis que si j'arrête de bouger, je m'arrêterai pour de bon, tu vois. C'est peut-être un moyen de défense, non? Ah bah Anus. Ah bah c'est... Voilà. Uranus. C'est Anus. Je sais pas. Quoi? C'est le mot, mais je vais me dépêcher dans le PLD d'arc-en-ciel. On va voir un mec qui va courir au pied d'Uranus.
Oh attends, peut-être que je peux. Oui, j'ai plus le. Il y a du légendaire qui est tombé. Oui, je l'ai cut, je l'ai cut. Il y a du légendaire qui est tombé, mais il n'y a pas de. Non, j'ai pas vu d'arc-en-ciel. J'ai même pas pris de légendaire, tu vois. Non, moi je l'ai pris parce que j'ai dashé dessus. À part ça. Ouais, non, il y avait pas d'arc-en-ciel. Ah non, puis il y avait. Ah, si, y avait... ah le mode de classe légendaire est, une... est un mode de classe sirène, donc. Je le lâche, c'est au premier qui le prend. Voilà. Je sais même pas où il est, par contre. Koum lui a roulé dessus. Ça se trouve, il va me servir à quelqu'un. Quelqu'un a récupéré le mode de sirène ? Quelqu'un. Je crois que c'est cette carte. Oh bah, je te lâche avec plaisir. C'est quoi les stats ? Il fait quoi ? Ouais, il fait quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Temps de latence plus 29%, dégâts plus 23, abri plus 3, accélération plus 3, hystérique plus 3, contagion plus 3, prévoyance plus 3. Augmente la vitesse des déplacements de 45% quand vous utilisez la. Ouais, c'est le 4. Ouais, bof, je préfère ouais, le 1 avec si tu t'en sers pas. Bah, si tu t'en sers, garde-le, et si tu t'en sers pas, non, bah, Marcus il est ouais, très très court, et vous étiez à 3 km. Calme toi. Même pas 2 mètres. C'est bien ce que je te dis, 2 km. Je suis sur la fusée. Il va falloir que quelqu'un se sacrifie pour aller sur la. Pour aller le déclencher. Et c'est pas moi. C'est pas moi. Chapeau, c'est pas moi. Enfoiré. Ah mais vous avez oublié une caisse. Oh trop cool. Et là, la fusée va partir sans nous. Mais oh. Moi je suis en bas, je suis coincé donc. Ok, bah le dernier ça sera du coup Soul qui va l'activer. Que Ned. Attends, j'ai une idée pour l'activer en. Tu arriveras. Par contre, vous allez me laisser une toute petite place sur la fusée de ce côté là, voir si je peux faire le jump. Je crois qu'il y en a un qui est en train d'en chier. Attends, je vais voir si je peux jump comme ça dessus. Ouais, je peux jump comme ça dessus. Alors là, si ça marche. Les Sétina armaient le canon. Oh comment oui ça. Hein. On aurait pu la laisser. Non. What. Quoi. Il va y avoir un problème. Ah, on va monter dessus. On va s'accoupler avec le gros dragon. On va s'accoupler. Ouais. Oh putain. C'est moi qui monte sur la tête. Je suis sur la tête. Je veux pas tomber. Je suis sur la tête. Je veux pas tomber. Oh putain. Ça va mourir. Oh non. On peut aller le chercher là-bas, vite, courez. Non, mais attendez. Non, ça va, c'est un ascenseur qui descend. J'espérais. J'ai prié. Attendez, il a armé le canon, c'est-à-dire qu'on va avoir le missile dehors normalement, non? Ouais, bah, ah, t'as tout compris, tu comprends pourquoi on vient là, c'est génial. Ouais. Wow. J'aurais voulu rester dessus. Le mec, il le voit sauter. Ça fait juste un trou, genre je m'attendais à une explosion moi. Bien joué. Ouais, un truc badass. Des licornes qui volent dans tous les sens. Moi y a un truc qui m'inquiète, c'est que je vois que le feu à droite. Ah, ça y est, vient pas d'être validé. Ok. J'ai trouvé niveau next supérieur. Wouhou. J'ai réussi à passer level 40 sur cette save. Incroyable. Allez, t'as fait la moitié du chemin. Ouais, plus qu'une. Plus l'autre.